Bonjour à tous, voici le bulletin de ce samedi 17 novembre en début de matinée. Les conditions météorologiques resteront plutôt variables pour ces prochains jours avec des éclaircies mais aussi des passages pluvieux. Vous le verrez à la fin de ce bulletin. Seule consolation, les températures qui resteront plutôt correctes pour la saison. Alors pour ce matin, nous retrouverons après dissipation de la grisaille matinale assez tenace, un ciel variable alternant nuages et éclaircies. En revanche, sur la façade est, y compris sur la Corse, c'est plutôt le soleil qui l'emportera. Pour les températures minimales, comptez des valeurs comprises entre 0 et 11 degrés sur une bonne moitié nord, 9 à 12 sur les régions du sud. On ira par exemple jusqu'à 11 pour Brest et 12 pour Montpellier. Dans l'après-midi, nous garderons ces nuages assez insistants près des côtes de la Manche en marge d'une perturbation qui devrait intéresser ces régions plutôt en soirée. En revanche, sur les régions du sud, le temps restera globalement sec avec toujours une alternance de nuages et d'éclaircies. Pour les températures maximales, comptez 9 à 14 degrés sur une bonne moitié nord, 15 à 18 sur les régions du sud, on ira jusqu'à 18 au pied des Pyrénées. Pour la tendance, regardez, nous garderons un ciel relativement mitigé avec par moments des éclaircies, toujours ce risque d'averse plus prononcé sur les côtes de la Manche et puis le vent qui se renforcera plutôt la mi-journée avec des rafales autour de 60 voire 70 km par heure. Et puis vous voyez que les températures, elles resteront assez confortables pour un mois de novembre avec une moyenne de 11 à 14 degrés sur les régions du sud, 10 à 12 degrés sur les régions du nord et peut-être un refroidissement qui est envisagé par les modèles météorologiques ce matin à compter de notre prochain week-end. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 novembre, nous fêterons les Elisabeth. Le soleil, il s'est levé à 8h03 et il se couchera à 17h10. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions. Consultez nos répondeurs, notre site internet. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Agathe Adim. Passez une excellente journée et à ce soir.